Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Factorio, Robo Factorio devrais-je dire, car notre petite base robotique prend eh bien un petit peu forme, petit à petit. Regardez-moi tous ces robots qui travaillent, c'est beau, c'est tellement beau. Alors, on avait mis en place la production de cuivre en robot, hein, voilà. Vous voyez que ça fonctionne, en tout cas, ils y vont. On va voir si ça peut fonctionner comme ça ou pas. Quand de toute façon tout sera vide. C'est le but, hein, c'est de vider les tapis. Plus besoin de tapis, comme ça on pourra retirer tous ces tapis. D'ailleurs, les robots de construction, si vous pouviez venir. Hop, non, c'est pas ça. C'est ça et c'est ça. Merci. Si mes robots de construction pouvaient venir me déblayer ça me plairait. Oups. Voilà. 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 Bossez un peu les robots de construction, là vous avez rien à faire à part construire des millions de de panneaux solaires. Franchement, je vois pas pourquoi vous l'avez toujours pas fait, quoi. Hein? Facile ça de dire on a du travail là. Hein? Allez, 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 on bosse, on bosse, on bosse, on bosse. Non mais oh, et ça c'est toujours pas fini! Mais oh, ils sont fous ces robots! C'est fou hein, quand même! Ah là là là. Bon, on a augmenté leur capacité en portance d'objets. En emport. Ça s'appelle les capacités d'emport pour ceux qui veulent savoir. Alors, on va améliorer leur vitesse encore. Voilà, bosser, bosser, bosser. Tac, 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 tac. De toute façon, maintenant, on a toutes les technos disponibles. Enfin, toutes les fioles, sauf les blanches. Mais les blanches, c'est pour la fin du jeu. On va pas le faire tout de suite. On va d'abord transformer cette base en base robotique. Tac, tac, tac. Là, ce qui est bien, c'est qu'on voit que tous mes coffres ne servent à rien. Enfin, j'ai des coffres qui servent pas. Donc, c'est une bonne chose. Après, tout n'arrive pas, hein. On le sait, il y a ça qui arrive pas. D'ailleurs, ben en fait, il faudrait aussi mettre des coffres ici, genre. Voilà, genre ça. Faire ça comme ça. Et faire ça. Par exemple. Voilà. Et aller chercher un robot port, parce qu'évidemment, j'ai des robots ports qui ont été construits. Hein, que j'ai des robots ports qui ont été construits. Bien non. Eh bien non. Toujours pas. Bravo à eux. À quoi ça sert de faire une usine de robot-port si vous ne les construisez pas? Je sais, j'ai moi-même enlevé le truc, hein, vous le savez. Mais il faut râler. C'est un but. Le but, c'est de râler. Alors, c'est où mon usine de robot-port? Bonjour, monsieur le train. Ça aussi, ça va sauter les trains là. Bah, ça pollue. On va tellement plus polluer après. Ok. Où est-ce que j'ai des cartes rouges de disponibles? Nulle part, évidemment. Si, je sais où j'en ai de dispo des cartes rouges. J'en ai plein de dispo d'ailleurs. Déjà ici. C'est sûr. Mais, il y a un autre endroit. Souvenez-vous. Souvenez-vous, souvenez-vous. Ici, on avait fait une usine de cartes rouges. Avec un grand stock de cartes rouges ici. Un très grand stock. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller faire? Eh ben, on va aller les mettre près de nos trucs là. Robopore. Hop là, mais attendez-vous à avoir un très très gros changement de construction de base bientôt. Notamment en mode bah, quand on va passer en non, en mode 100% robot. Voilà, hop là. Vas-y, fais-moi tout ça. Au moins comme ça, je vais avoir des robots ports de dispo un petit peu. Bon, à coût de 45, je vais peut-être en avoir une dizaine ou une vingtaine de dispo. C'est pas non plus.
La panacée, mais c'est déjà pas mal. Tchoc. Parce que, en fait, ce qu'il va me falloir, c'est des grosses usines de cartes vertes, par exemple. Mais ça, je sais plus comment on fait pour le voir. Je suis quasiment sûr qu'on peut avoir notre production complète. Bâtiment. Après, je pense que si j'en mets. Je sais plus à combien je suis. Après, il faudrait les compter. Comment on va pouvoir faire? Que si je mets 100. 100 usines de cartes vertes. Il me faudrait donc 300 câbles et 300 plaques. D'accord? 300 câbles. 300 câbles, 300 câbles, 300 câbles. Non, c'est pas ça que je voulais voir. 300 câbles, c'est 300 plaques. Mais ça fait peut-être beaucoup, 100. Ça nous ferait. En fait, ce que je voudrais, c'est peut-être essayer d'en faire déjà. Si on en fait. Faudrait calculer. Alors, attendez. Attendez. Là, je suis à combien? 18, là, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, 20, techniquement. Et là, 18. Donc je suis à 28 fours. Je sais pas pourquoi j'en ai fait plus, là. Bref. Je suis à 28 fours. Au max. 28 fours, 28 fours, 28 fours. Ça me fait 3,2 secondes. Ça me fait 28 plaques toutes les 3 secondes. Donc déjà, va falloir augmenter ça aussi. Si je mets ici, mettons. Une, deux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Donc là, ça ferait 20. Alors pourquoi je les sépare comme ça? C'est pour les. Les postes électriques. Hop. Après, vous voyez que. Ah ouais, je peux. Je pourrais même en rajouter en fait. Si on fait ça comme ça, bon, comme ça c'est très bien, ça fait beau. Hop là, que là je mets deux lignes. On est à combien là? Je sais plus combien j'ai dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 20, 20, 20. Et ça c'est 1 pour 2. Et ça c'est 45 objets à la seconde. Donc 20, je vais être à 20 objets à la seconde. Donc déjà ça je peux plus que le doubler. En théorie. Pour 1, donc là je peux faire passer en théorie 1 ici. Et ça me prend techniquement 20. D'accord? 20 plaques. Donc, si on fait ça, viens là, non, viens là. Hop, après, alors, toujours pareil, hein, je pourrais très bien mettre un coffre par usine. Mais on va pas le faire, parce que ça consommerait trop. Et donc ça va créer 40. Donc on est pile à la limite d'un tapis bleu. Parce qu'un tapis bleu c'est 45. On le sait. Donc 22,5 par côté. Et que là techniquement sur le côté on sera à 20. Vu qu'il y en a 10 de chaque côté.
Vous êtes d'accord? Évidemment. Hop là. D'ailleurs, il aurait fallu que je tourne là. Hop là. Alors, au plus loin, donc ça va bien être là-bas au fond. Donc je peux bien faire venir celui-là comme ça. Hop, ici. Un coffre. Un coffre vert. Vu que ça, de toute façon, moi je vais pas les demander. Donc ça peut être un coffre vert. Clairement. Hop, voilà. Ici, on va pouvoir mettre un coffre bleu de demande. Ici. Alors après, je pourrais faire un truc compact, très très compact, pour que tout reste dans un seul robot port. Vous voyez ce que je veux dire? Si là, je mets un robot port, est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre complètement. Ah, je sais pas. En fait, il faudrait voir pour que ça rentre complètement dans un standard de robot port. Et que, eh bien, on n'ait pas de problème de logistique. Hop là. D'ailleurs, ça voudrait dire que là, celui-là, il est peut-être mal placé. Si j'enlève celui-là et que je le mets là, est-ce que ça marche? Oui. On le mettre comme ça. Et donc ça, ça ferait un module. Par exemple, ça, c'est le module... Tac. Ça, ça peut être un module de création de fils de cuivre. Après, toujours, hein, j'ai pas encore mis les modules de vitesse et tout. Après, je suis pas forcément convaincu. Vous avez vu que j'en mets pas beaucoup. Je suis pas forcément hyper, hyper convaincu, moi, des modules. Je sais pas si ça se voit que je suis pas convaincu par les modules. Hop, voilà. Voilà. Et là, voilà, ça a commencé à gérer ça. Donc, non, c'est normal, hein, au début, ça va avoir un peu de mal. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Après, comme j'ai mis qu'un seul, voilà, ça va forcément, voilà, ça va finir par passer. Mais il faudrait que ça se soit plein. Après, j'ai mis qu'un seul bras, et donc en vrai, ça marche pas vraiment. Il faudrait presque faire, en fait, un truc comme ça, avec ici. Des coffres de demande, genre là, là, celui-là va me gêner, c'est pas grave, on va le bouger. Deux. Hop, voilà, ça ne change pas grand chose. Coffre, ça, non, oups, j'ai oublié de faire valider. Hop, 1000, tant qu'à faire, hop là, hop, voilà, et là, on fait. Tac, non, tac, tac, pardon, pas appeler les robots, pas mettre de fantômes, ça ne sert à rien. Et là, par contre, voilà, là je peux vider parce que de toute façon, voilà. Mais voilà, on peut faire ça comme ça et faire des, faire sortir les plaques là-bas dans des, aussi pareil, dans des coffres tampons. Et normalement, ça devrait fonctionner exactement comme on l'a fait, hein. Et donc ça, ça part sur un coffre tampon. Et après, on peut mettre par exemple des modules. Après, tous les modules qui vont demander du câble en cuivre, par exemple, comme les. Ça demande du câble en cuivre. Ça demande du câble en cuivre. Ces deux-là, par exemple, eh bien, on va mettre des coffres de demande de câble en cuivre. Il n'y a pas encore qui demande du câble en cuivre. Ça, on n'en aura plus besoin de toute façon. Voilà, et là, ça peut être un module de confection de câbles en cuivre. Voilà, et donc après, comme tout ça, ça va bouger, hein, mais en fait, on pourra les dupliquer. Par exemple. Bah, d'ailleurs, aller poser un module de câbles en cuivre là-bas.
enfin de récupération de plaques de cuivre. Et on va pouvoir les couper petit à petit, les plaques de cuivre. Nickel, mais on a plein de potions bleues, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Les potions bleues, c'est ok. Ok, donc le cuivre. On va aller finir ça. J'ai encore tout ça de plaques de fer. Presque que ce soit dans un coffre tampon en fait. Je vais mettre un coffre tampon là. Et je vais mettre un robot port. Qui pour le moment ça relie à rien, mais ça va arriver. Et en fait, ça, je vais hop. Hop, ah mais il en restait une. Lol. Hop. Hop. Voilà, on va en mettre un deuxième. Hop. Hop. Voilà, ça. Non. Logistique personnelle, j'en veux zéro sur moi. Merci. Voilà. En fait, si vous mettez 0 sur 0, ils vont venir vous les prendre en fait. Automatiquement, les petits robots. Hop. Hop. Ça c'est. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça, il n'y aura plus du tout ici de plaques de fer, parce qu'au fur et à mesure, ils vont venir les chercher. Évidemment, c'est pour ça que je fais ça. Voilà, merci. Hop, comme ça, je vais pouvoir mettre ici un, entre guillemets, un robot, un truc de... si je mets un truc de plaque de fer, ils vont venir les chercher ici. Il y aura aussi celle-là à venir chercher. Ils vont venir les vider en fait. Et quand ce sera vide, on pourra retirer évidemment ce petit système de coffre. Allez. On va poser des coffres tampons. Non, c'est pas ça que je voulais poser, c'était ça. Hop là! Alors, on va les mettre ici. 1, 2, 3, 4. 4. Alors, est-ce qu'il y en a trop des coffres? Peut-être. Oups. Est-ce que ça va tout piquer? Peut-être aussi. On verra bien. Mais c'est pas grave. Parce qu'au fur et à mesure, on va passer au niveau des coffres. Vous le savez, donc on n'en a rien à faire. Ok. Un ici qui va aller là. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Hop là! Et regardez-moi là, tous les petits robots de logistique qui viennent chercher. Voilà, toutes ces belles plaques de cuivre. Et ça, c'est beau. Faire la même chose maintenant pour le fer. Et au fur et à mesure, eh ben, on va transformer tout ça. Alors, attention, pour le moment, ça ne sert à rien. On est d'accord. C'est de la transformation, hein. Et comme vous le savez, la transformation des bases dans Factorio, bah, c'est long. Alors, il faudrait peut-être que je rajoute des robots ports hein, sur le chemin, entre autres. Après, en augmentant leur vitesse, on diminue leur besoin de se régénérer, puisqu'ils vont plus vite. C'est logique. Au niveau ressources énergétiques, on est bon à regarder ça. On génère vachement d'énergie. Il faut voir la nuit. Est-ce que la nuit ça tient? Ah oui, là, là, oui. Ah oui. D'accord, oui. Mais pourtant, il y a les robots ports, ils fonctionnent. Ils rechargent du robot. Donc ça va. Niveau énergie, on est capable de tenir. C'est ça qui est important de voir. Tac, 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 tac. Et le. Là, on crée toujours des panneaux solaires et des petits trucs là, les accumulateurs.
Voilà! Ah, c'est beau ça! Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là! Ah, c'est beau, moi j'aime bien voir ça. J'aime bien voir quand ça fonctionne. Ça, il faut le laisser charger à fond, hein, de toute façon. Il faut qu'il soit chargé parce que de toute façon, il va jamais être vraiment plein. Ok! Donc, on peut faire la même chose avec ça par exemple. Alors, ça consomme combien? 3 plaques de cuivre et une plaque d'acier et une plaque de fer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, 3 plaques de cuivre? Ça veut dire que si on en met 10, on est à 30. Et on sait que c'est 45. Donc on peut en mettre 15 maximum sur une ligne. Mais si on fait ça, il nous faudra forcément une ligne uniquement pour le cuivre, d'accord? Pour les fils de cuivre, et une ligne pour le fer. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, donc 15 on a dit, hein. Alors, il faut éprouver hein, les trucs avant, donc c'est pour ça que je les mets un peu loin. Et après, il faut tout rassembler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, 8 et 8, 16, moins 1, 15. On est d'accord. Hein. Donc, on peut faire venir, par exemple, les câbles en cuivre ici. Alors, hop, et il faut qu'ils arrivent sur les deux côtés. Donc, comment on fait? Eh bien, on fait ça. On met un truc comme ça ici. Voilà, on met ça qui arrive. On met un petit coffre de demande ici. On met le petit bras qui va bien. Et voilà. Donc là, ils vont se répartir sur les deux côtés. Voilà. Normalement, si je l'ai mis dans le bon sens. Je sais jamais dans quel sens ça sort quand c'est en face. Je vais le mettre là. Non, là il sort des deux côtés. Quand c'est en face, je sais jamais dans quel sens ça sort. Je sais jamais si c'est à droite ou à gauche. On verra. On va le faire et puis on verra bien. Demande logistique, câble en cuivre. Hop, sollicité. Mince. Alors, après, il y a le fer aussi à faire venir. Donc, évidemment, le fer, on le fait arriver comme ça. Hop. Alors, pourquoi là? Parce que pourquoi pas? J'ai envie de dire. Hop. Donc on a le fer qui arrive, qui va arriver, forcément. Il n'est pas encore là. Hop. Voilà. Non, c'est ça. Alors, ça. Ça. Oups, je me suis trompé de direction, c'est pas grave, c'est pas très grave. On va arranger ça tout de suite dans 2 millièmes de seconde. Là, ça, on le tourne. Tac, 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 tac. Ça, on a dit que c'était des cartes vertes. Le robot pas, il va jusqu'où ici? Ouais, il en faudra un autre là. Direct. Voilà. Alors, après, non. Non, 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 non. Fais pas ça. On va mettre le robot port. Alors, attendez, il y a la sortie des. Parce qu'il faut prévoir pour la sortie Ah, j'ai plus le nom. Des cartes vertes. Hop, là il est alimenté. Là, c'est alimenté. Et il faut en rajouter un ici, juste là. Voilà.
pour justement les cartes. Hop là. Hop là. Ici, c'est pareil. Hop là. Et en fait, ça, on n'a pas vraiment besoin de les... de les allonger. Voilà. Parce qu'on va justement faire en sorte que ce soit comme ça va être duplicable. Là on est duplicable par exemple. Là je prends ça, il faut bien prendre ça. Hop, module de carte verte, et voilà. Alors, il nous faut évidemment des bras verts. Alors, à savoir qu'il va nous falloir 15 plaques de fer. Alors, comme là, on voit que c'est 15 plaques de fer. Hein, à la minute, à la seconde, qu'il nous faut parce que j'ai 15 usines. Ça demande une usine. Une usine demande une plaque de fer. On aurait très bien pu mettre des tapis jaunes. Voilà. Parce que les tapis jaunes, eh ben, c'est 15 objets secondes. Donc ça passait largement. Ça passait largement. Après, c'est 15 en 0,5 secondes, vous allez me dire. Donc on aurait pu mettre du tapis rouge, en fait. Et pas du tapis jaune. Mais ça passe. Ça passe quand même. Il fallait mettre du tapis rouge en fait, pas du tapis jaune, pas du tapis bleu. Donc là on est over. Over en tout. Ok, donc là il nous faut, on a dit, solliciter les coffres logistiques, des plaques de fer. Hop là, au moins ils vont aller chercher les plaques qui sont dans les petits. Et en fait je voudrais voir où est-ce qu'il les pose. Dans ceux que j'ai posés là. Ceux-là qui sont je sais plus où là quelque part là. Alors ici ça pose ouais c'est bon, on est bon, voilà. Donc après comme je disais hein, ça a demandé énormément de robots logistiques, tout ça, regardez tout ça là. Donc il y a des petits problèmes genre en pétrole, on voit que ça s'accumule malheureusement. Et donc, est-ce qu'on fournit toujours assez de pétrole? Peut-être pas. Peut-être pas. Mais ceci est une autre histoire. Mais après, les robots logistiques, comme je disais, enfin les robots, ouais, les robots logistiques, ça va se créer petit à petit. Voilà. Comme là, on crée une base de cartes vertes, donc on a 15 cartes vertes. Techniquement, à la demi-seconde. D'accord, donc on a 30 par seconde, techniquement avec ça. Des cartes rouges, eh bien ça en demande aussi. Donc on va pouvoir faire un module de cartes rouges. Mais on sera pas forcément obligé de faire 15 cartes rouges. Oh, petit défaut ici, on le voit tout de suite. Ça part jamais en haut. Donc petit défaut, on rectifie ça tout de suite. Hop là, en faisant ceci. Alors celui-là, tac 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 tac, et c'est tout pile, très bien. Je regardais si c'était celui du bon robot port, c'est pour ça. Hop, plaque de fer, hop, oui, solliciter coffre tampon, évidemment. Voilà. Parce qu'en fait ça partait pas en haut, ça partait qu'en bas, donc un petit défaut dans le système. Tout de suite réparé, évidemment. Ok, donc là, on voit que ça va commencer à fonctionner. Hein. Bon, ça fonctionne très bien pour le moment. Attention. Ici, on va faire un module, pareil, de cartes rouges. Alors, on va le faire aussi à 15 cartes rouges. Ça a demandé 4 câbles en cuivre. Alors, 2, 2 et 4. Ok, alors. Donc, comment on va faire? On va faire des coffres de demande logistique. Alors, on a dit
dans le vert. Toujours, pour les constructions, comme ça, quand vous faites des plans, toujours se mettre dans le vert. Comme ça, vous pouvez voir où s'arrête votre robot. Alors, si je mets, là, je vais mettre. Plastique. Bras, tapis, bras. Carte verte. Plastique, carte verte. Ok. Donc si on se met comme ça. Voilà. Attention que ça en demande deux, hein. Par machin. Par fabrication, donc si j'en demande deux par fabrication, si j'en mets 15 par exemple, il m'en faut 30. Et 30, c'est au-dessus de la capacité d'un tapis. D'accord? Et que ça demande aussi, accessoirement, 4 câbles en cuivre. 4 câbles en cuivre, si j'en mets 10, je suis à 40. Donc en fait, je ne peux pas dépasser 10 usines de cartes rouges, entre guillemets, par module. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, hop, hop. Voilà. 5, on a dit. Voilà. Ça, ce sera forcément la taille maximale d'un module de carte rouge. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire autrement. À cause, justement, des fils en cuivre. Qui, pour le coup, vont arriver. Hop. Alors, si je mets ici, hop, il faut faire compact, hein, parce que vu qu'il y a une taille limitée à cause des robots ports, eh bien, on peut être en kikiné. Donc, il faut faire du compact. Donc, il faut bien suivre. Pour le coup, hop là, et là c'est pareil pour la sortie. Je parle bien pour la sortie, d'accord? Pour la sortie des cartes rouges, techniquement, je suis pas obligé de mettre du tapis bleu. Hein. Ça en sort une toutes les 6 secondes, donc on a le temps de voir venir, quoi. Donc on peut mettre clairement du bras rouge. On pourrait même mettre du bras jaune, que ça irait quand même. On est d'accord, hein, là-dessus. C'est pas très compact, ça, monsieur. Il dit de faire compact et le monsieur il prend ses aises. Allez, hop, on reprend. On a dit compact. Il a dit compact. 1, 2, 3. 1, 2, hop, hop. Ah ben voilà, c'est déjà. Vous voyez, j'ai mis deux fois trop de tapis, quoi, quasiment. Bravo à lui. Il dit de faire compact et il le fait pas. C'est fou, hein. C'est fou quand même de se dire, il fait jamais ce qu'il dit. Moi, je trouve ça fou. Il fait un truc, mais. Il dit un truc, mais il fait le contraire. Moi, je trouve ça trop fort. Il est trop fort. Ok, là, tu me coupes ça. Pas besoin d'aller plus loin. Hop, pas besoin d'aller plus loin. De toute façon, on peut pas faire plus grand. On l'a dit. À cause de la vitesse des tapis. Mais ça, c'est propre à Factorio, la vitesse des tapis. Et que dans Crastorio, entre autres, on pouvait avoir des tapis plus rapides. Mais ça, ici, on joue en vanille. Voilà, à la vanille. Alors, comme d'hab, hein, c'est toujours sur la 1.34. Là que je joue actuellement, parce qu'il y a une mise à jour. Donc, ça peut encore changer, ça peut varier dans si jamais il change la vitesse des tapis. Alors, ça n'a pas été fait depuis longtemps, donc à mon avis, ça va pas être fait de sitôt. Mais ça pourrait arriver. Hein. C'est toujours ça qu'il faut voir, hein. Évidemment, si il y a besoin de mise à jour, les mises à jour seront faites, enfin au moins dites. Au moins dites. Alors là, pour le moment, on n'a pas encore de plastique qui va dans nos amis les bras, enfin les trucs verts.
Mais c'est pas très grave. Alors, il nous faut ici ça. Hop, solliciter les coffres tampons. Mince. Il faut ça. Sollicitons les coffres tampons. Voilà. Mais c'est normal là que ça reste rouge, parce qu'on n'a pas dans le réseau logistique. Il nous faut ici du plastique. Sollicitons les coffres tampons. Et là, vous voyez que j'ai fait une erreur. Est-ce que quelqu'un a vu cette erreur? Eh bien, l'erreur, c'est celle-ci. J'en demande 2000. D'accord? 2000 en stock dans le coffre. Et ici, j'en demande 1000 en stock dans le coffre. Et on sait que c'est le même coût en plastique qu'en carte électronique. Donc techniquement, je devrais mettre le même chiffre pour les cartes plastiques que pour les barres de plastique que pour les cartes électroniques, les cartes vertes. Ça, ce serait aussi un système d'optimisation à entreprendre pour ceux qui veulent tout optimiser. Voilà un petit détail qui ne doit pas vous échapper. C'est très important. Ici, t'es bien lié là. Ouais, donc c'est bon, c'était bien lié. Je regarde, hein, parce que ça doit toujours être comme ça doit être modulaire. Il faut que ça puisse être tout seul. Dans tous les cas, ça passe. Parce que là, tu vas quelque... Ouais, mets-toi bien au milieu là. Hop là, et voilà. Et là, normalement, ça devrait commencer à venir au niveau des cartes, voilà. Verte. Tiens, tu vas me mettre ça. Tiens, tes cartes en du plastique en rabat. D'accord. Et voilà. Et ça va se lancer petit à petit, tranquillement. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on a fait un module carte verte, un module carte rouge, un module fil de cuivre. Et tout fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Alors, bon, la vitesse à laquelle ça fonctionne pour le moment. Hein. Donc, il faut raison garder. Mais c'est le dé, comme je disais, c'est le début de la production. On va monter en puissance, on va petit à petit augmenter le nombre de modules, etc. Refaire des modules verts. Hop, 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 hop. Calculer le nombre de modules verts dont on a besoin. Calculer le nombre de modules rouges dont on a besoin. Et au fur et à mesure, eh bien, tout va se créer tout seul. Là, ce que je peux faire, par exemple, c'est aller voir mes roboports. Poser un coffre de demande. Uniquement pour les roboports et dire voilà, il me faut des cartes rouges et je vais solliciter les coffres tampons. Comme ça, ils iront chercher là-bas et ça va plus emprunter pour les robots, par exemple. Ou alors, ici pour les robots, je peux très bien dire voilà, un coffre, je veux regarder, là c'est très très lent à arriver. Et bien, ici, je peux très bien dire hop, je veux plus de tout ça. Voilà. Je veux plus de ça. Hop, 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 hop. Je veux plus de ça. Voilà. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en ai plus besoin, en vrai. Pourquoi j'avais fait ça, moi? Ah bah oui. Hop là. Donc, ici. Hop, hop, voilà. Voilà, parce que là, tout ça, j'en ai plus besoin. Donc, hop, 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 hop. Ça, tu vas me faire que des cartes bleues. Hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà. Et là, pouf, coffre de demande logistique. Ici. Tac. 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 Et tac, et voilà, c'est bon. Techniquement, ils vont venir les chercher. Et les ramener ici. Normalement. Et les voilà, les premiers, les premières cartes rouges en vol. Et ça va créer petit à petit eh bien, des petits robots logistiques comme ça. Voilà. Et évidemment, on va continuer à faire avec les moteurs rouges. Alors, par exemple, voilà, pour les moteurs rouges, ici, on a un truc vachement compact. On pourra très très bien faire partir de ça. Hein? On voit que pour faire un moteur, il nous faut que trois éléments. Donc, on peut très bien faire un truc très très compact comme ça. Là, il faut un élément de plus.
et gérer ça assez facilement à ce niveau-là. D'ailleurs, ce que je vais aller faire, c'est que je vais les mettre. Un coffre tampon là-bas pour les modules rouges là. Ici là. Parce qu'ici on a beaucoup d'usines de modules rouges donc même si. Regardez comment ça virevolte. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Ici, je voudrais un coffre tampon, s'il te plaît. C'est dans un réseau logistique? Oui. Voilà. Oh, vas-y, charge-le, charge-le. De toute façon, comme ça, ils viendront les chercher. On aura un petit peu d'avance là-dessus. Et on va s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.